Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce magnifique coffret, le Familiar Ways Self-Development Set de Gillian C. Wild que j'avais soutenu sur Quickstarter. Je vous avais mis une petite photo sur Instagram et un petit réel ici, un petit short sur YouTube et vous aviez été nombreux à me dire que vous étiez pressés de voir la présentation et la voici enfin. J'ai un peu hésité si je faisais un par vidéo, si j'aurais fait trois vidéos. Et puis, je me suis dit que j'allais faire les trois dans la même vidéo. Comme c'est un coffret qui se vend avec les trois. Je me suis dit, quitte à ce qu'elle soit plus longue, au moins, on aura tout dedans. À savoir qu'il y a un tarot, un oracle évidemment avec des animaux et un jeu de développement personnel. Le jeu de développement personnel, perso, je l'aime moins. Mais bon, si on voulait le tarot ou l'oracle ou les deux, on était obligé de prendre le trio parce que malheureusement, elle ne les vend pas séparément, du moins pas pour le moment. C'est un jeu qui a un certain coût aussi, hein, vu qu'il y a trois jeux, la taille du coffret. Bon, je ne le voyais pas si grand non plus le coffret. Bon, je vais essayer de vous montrer un peu les angles. Hein, regardez comme c'est joli. Il y a du vernis sélectif, mais il est hyper lourd aussi. Le coffret est magnifique, hein, mais je vous avoue que je me demande où je vais le ranger. Voilà. Voilà, donc on a le fameux tarot avec 79 cartes et son livret. On a l'oracle avec 84 cartes et son livret, enfin son livre plutôt aussi. Et alors le fameux Shadow Worker avec 46 cartes et un guidebook. Et alors elle nous a fait des cadeaux aussi. On a reçu plein de d'e-books en fait, avec plein de trucs, des livres avec plein de questions à se poser en shadow work, etc. Il y avait plein de choses en plus. Voilà, donc on va les sortir. Je vais vous montrer un par un. Je crois que les coffrets, ils font facile trois coffrets Arcana Sacra, les grandes boîtes. Voilà, donc on a le fameux tarot. On a ici l'oracle. Alors, on avait un petit mot hein, ici, très joli, avec le certificat d'authenticité. Ici, aussi un truc, voilà. Et voilà, il y avait plein de petites choses. Et alors, il y avait le papier avec le fameux QR code à scanner pour avoir tous les suppléments avec un mot de passe, etc. Voilà. Et alors, on a le troisième qui est ici. Je vais les mettre là une minute pour vous montrer. Même l'intérieur du coffret, regardez, est décoré comme c'est joli. Voilà. Bon, le coffret, je vais le mettre sur le côté. Je ne sais pas si je vous ai montré le dessus. Non, je ne pense pas. Voilà. Trois decks de collection avec des outils spirituels intégrés, etc. Pour avoir une approche holistique, etc. Voilà. Bon, alors, ça c'est la boîte du coup du Shadow Worker. On va commencer, je pense, avec le tarot. Je vais mettre ces deux-ci sur le côté. Voilà. Donc, la boîte est comme ceci. Regardez comme elle est magnifique. Il y a aussi du vernis sélectif. Hein. Voilà. Alors, je vous montre un peu sous les coutures. Voilà, comme ça, vous le voyez. Ici, une petite perruche trop mignonne. Et ça, c'est le bord qu'on voit dans le coffret. Voilà. L'arrière est comme ceci. Voilà. Par contre, la boîte, elle est énorme. Je vous montre juste comme ça par rapport à une carte de tarot. Donc, j'étais persuadée que ça allait être des très grandes cartes. Et finalement, non, pas du tout. Elles ont la taille d'un tarot classique. Voilà ici l'intérieur. Les aventures sont plus chouettes avec des amis. Je vais mettre le couvercle ici. On retrouve le livret. Enfin, c'est vraiment un livre, hein, tout en couleur, voilà. Et ici, on a du coup les cartes qui sont dans un insert. Avec un petit ruban pour les sortir. Et voilà, pour l'intérieur de la boîte qui, je vois, est un peu... Bon, on peut l'ouvrir, hein. Voilà, elle est aussi avec une vague. C'est très, très beau, j'avoue. Ça ferait même un bel hôtel dédié à la mer. Voilà, bon, ça, je vais mettre de côté. Le temps que je vous les présente, bon, je vais les mettre derrière, je crois. Parce que je voulais quand même vous montrer après les cartes du tarot avec celle de l'oracle. Voilà. Bon, on va commencer du coup à jeter un œil ici. Je vais maintenant vous descendre un petit peu. Vous avez mis très haut parce que vu la taille du coffret, j'avais pas trop le choix. Maintenant, je peux vous redescendre un petit peu. Voilà, c'est très très joli hein, quand on ouvre. Bon, moi qui adore les animaux, j'ai eu un coup de cœur. Hein. Ici, on a une dédicace. Je vous avoue que s'ils auraient été vendus séparément, j'aurais pris, je crois, que le tarot et l'oracle. J'aurais pas pris celui de développement personnel, surtout que ça reste en anglais. En français peut-être, mais en anglais, je ne sais pas si je vais tout comprendre. Mais bon, voilà.
Alors, on a une introduction au tarot avec toutes des infos hein, sur les arcanes majeures, comment les mélanger, les brasser, les couper, etc. Puis on a travaillé avec avec ce tarot, voilà, ici. Puis on a les arcanes majeures, les mineures, avec les suites qui sont renommées. Et puis on a un message de l'artiste, des remerciements et un petit mot sur la créatrice. Voilà. Donc ici, on a toutes les fameuses infos. Ici, on a toute la feuille avec toutes les arcanes renommées. Voilà, par exemple, l'empereur, ce sera le souverain, structure, etc. Donc ça, c'est bien de l'avoir sous la main au début, hein. Un petit mot sur les mineurs, sur les personnages de cour, comment travailler avec le deck. Voilà. Familiar message. Et puis ici, on passe au majeur. Regardez comme c'est magnifique. Hein. Je trouve ça vraiment très beau. Alors, ici, on a par exemple le fou. Voilà, le numéro, le fou des mots-clés. Son message, l'expérience de l'ombre, hein, shadow work, l'élément associé. Et alors ici, on a des questions de journaling à se poser. Voilà, ou un tirage même. Non, c'est un tirage. Le tarot de la self-réflexion. Je sais pas comment on pourrait le traduire, mais voilà. Message du chien, le support, l'histoire, etc. Et on a ça, on a un tirage du coup pour chaque carte. Oui, voilà. Tarot-esprit, soit un tirage ou alors des réflexions, voilà, à se faire. Et en fait, l'image, elle est dans le fond, vous voyez? Elle est en fond à chaque fois. En fond du texte. On va aller jeter un coup d'œil du coup au mineur pour voir ce que ça donne. Donc ici, on a le bâton qui sont renommés spirit. Et ici, on a l'as, pareil, on a l'image derrière, ouais, pareil, on a... Non, ici, on n'a pas le tirage, on a quand même la même chose, le message, des questions de shadow work et le message, du coup, de l'animal qui est dessus, comme ici, la grenouille. Voilà, donc ça, c'est pour les mineurs. Les deniers sont renommés somatiques. Voilà, bref, il n'y a pas de tirage proposé, vu que pour les arcanes majeurs, il y a à chaque fois un tirage. Voilà, message de l'artiste. Artiste qui avait déjà fait le Naked Tarot. Et à la fin, un oracle aussi que je n'ai pas. Voilà, mais que j'aime. J'aime beaucoup son travail. Le Naked Tarot est magnifique. Donc, c'est un auto-publié hein, qui vient d'Amérique. Voilà. Je ne sais pas comment elle a fait. Je m'attendais à avoir des frais de douane astronomiques, vu le prix astronomique du jeu. Et finalement, il a été envoyé depuis l'Allemagne. Donc, est-ce qu'elle a un contact en Allemagne qui envoie les jeux? Pour elle, j'ai eu zéro frais de douane. Donc, je vous dis pas comme j'étais contente. Donc, ici, on a le tarot. Le dos est comme ceci, avec des tranches dorées, mais un beau doré. On voit que c'est un doré de qualité. Je vais vous montrer par rapport au tarot classique. Ben voilà, c'est taille tarot classique. Mais vu le coffret, je m'attendais à voir des cartes plus grandes. Je sais pas pourquoi. La qualité est extra. Elles ont un fini mat. Elles chantent. Franchement, c'est parfait. On a une petite carte ici d'introduction et ensuite on passe ici aux illustrations. Voilà, on a l'image sans bordure et on a juste le numéro et le titre. Donc ici on a le fou, le magicien et sur chaque carte on retrouve un animal. La grande prêtresse du coup. Celle-ci est magnifique. L'impératrice. L'empereur. Celle-ci, c'est celle qui m'a fait craquer pour le jeu. Vraiment, cette illustration est magnifique. On dirait qu'elle protège des bébés gorilles pour le hiérophante ou le pape. Hein. Les amoureux. Bon, je ne vous donne pas le vrai nom du coup, mais le chariot, celle-ci aussi, elle est franchement magnifique, je trouve. La force, force en 8. Justice en 11, comme le rider, hein, vu qu'il est totalement illustré. L'ermite, je trouve incroyable aussi avec cet ours polaire. La roue de fortune, il y a un caméléon ici. La justice en 11, du coup. Et c'est vrai qu'on dans les commentaires, on m'a marqué, moi aussi, de premier abord, quand je l'ai aperçu, je me suis dit qu'il avait un petit style. Au lightyear, je trouve, dans certaines illustrations. Bon, ici, évidemment, les animaux en plus. Le pendu. La mort.
La tempérance, magnifique aussi, j'aime beaucoup. Le diable. La tour. Ici, on a l'étoile. Avec, regardez ici, un ver luisant. La lune, celle-ci est magnifique aussi, hein, avec, on dirait, une sirène et une baleine. Les constellations, magnifiques. Celle-ci, je l'adore aussi, le soleil. Je trouve très solaire, justement. Avec un tournesol. Le jugement. Magnifique aussi. Le monde. Ici, on a une carte supplémentaire. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Avec une aurore boréale. Ensuite, on a les bâtons avec les spirites. Avec l'as, ici, on reconnaît la grenouille ou le crapaud. Le 2 avec un orque magnifique. Le 3. Ici, il est là, oui. Une petite chenille. Le 4 avec une sauterelle. Le 5. Elle est belle aussi, celle-ci. Le 6. Le 7 avec ce magnifique éléphant. Elle glisse. Le 8, avec des lapins. Oh, celle-ci aussi est magnifique, le 9. Bon, encore une fois, ce sera une vidéo où il y aura beaucoup de magnifiques. Le 10, et visiblement, j'avais posé la question à Nicolas, hein, avant de faire la vidéo, je lui ai demandé s'il allait la voir, et il pensait sûrement en prendre quelques-uns. Donc, si jamais il vous intéresse, c'est peut-être mieux d'attendre que Nicolas en ait. Ici, on a le valet, du coup. Le cavalier, ils sont tous renommés. La reine, magnifique. Et j'ai vu qu'il y en avait déjà un à vendre d'occasion sur Vinted aussi. Sans doute que la personne n'a pas trop aimé. Ou... Alors, ici, on a les coupes. Même s'ils sont renommés, bon, on reconnaît assez facilement hein, que c'est des coupes. Le 2. Le 3. Des... petits oiseaux. Le 4 ici, regardez, c'est un petit hérisson. Le 5, des méduses. Le 7, le 6, pardon, avec un chat. Et j'adore ici l'ombre de la petite fille avec un chaton qui fait penser à la femme et son chat plus jeune. Le 7. Le 8, celle-là aussi est magnifique. Le 9, le 10, le page, magnifique, elle est belle aussi celle-là, le cavalier sur son dauphin, la reine qui est sur la boîte du coup, et le roi avec un hippopotame, grand sourire, magnifique. Ensuite les épées. On les reconnaît facilement aussi avec l'as. Elle est jolie aussi. Le... on n'a pas le bandeau, c'est la queue du singe qui lui cache les yeux. Le 3. Bon, là, on voit tout de suite où on veut en venir. Hein. Celle-ci est magnifique aussi, le 4. Le 5 avec un requin baleine et un requin blanc, deux même. Je vous montre plus près. Elle a un regard, on voit bien ce qu'elle veut nous faire comprendre. Hein. Ici, le 6 avec des tortues, elle est très belle aussi. En fait, les épées sont des algues. Le 7 avec un renard. Le 8 avec des petits, on dirait des petits, je vois ce que c'est, des petits sugar gliders, des petits volants, ou c'est des écureuils volants, je ne sais pas. Le 9. Plus sombre. Le 10 qui est moins sanglante que d'habitude. Le page, elle est trop belle. Regardez cette perruche comme elle est jolie. Avec ses petites sandalettes, le petit garçon. Le chevalier sur son autruche. Ici,
La reine, magnifique avec ses pies. Et le roi. Et on finit avec les pentacles, avec les deniers, avec l'as qui est très très beau aussi, avec une coccinelle ici. Le 2. Le 3, avec les abeilles, elle est belle aussi celle-là, avec la ruche. Le 4. Le 5, avec la toile d'araignée. Le 6. J'aime bien les deniers sur les chameaux, les dromadaires. Le 7. Le 8, elle est belle aussi celle-ci. Le 9. Belle aussi. Le 10 avec les bisons et la famille et leur bébé. Magnifique. Oh, elle est jolie celle-ci. Le page avec sa petite souris. Le cavalier sur son ours. Magnifique. La reine avec un panda. Et le roi avec un élan, je dirais. Magnifique. Franchement, moi j'adore. Je vais le garder près de moi, comme ça je vous montrerai avec l'oracle, vu que une grosse partie du coup des cartes de l'oracle sont reprises. En fait, sur la carte du fou, elle va reprendre le chien. Sur la carte du magicien, elle va reprendre le zèbre. On va voir ça ensemble. Voilà, je vais juste mettre le guidebook de côté. On va passer du coup à la boîte de l'oracle qui est ici. Voilà, très jolie aussi, avec des animaux sur tous les côtés. Voilà, une idée des cartes. Et on va l'ouvrir. Bon, c'est la même taille du coup. Voilà, ici on a aussi un petit message. C'est la même présentation, le livret, les cartes qui sont ici avec un petit ruban. Voilà, et je ne vais pas l'enlever parce que le fond est dans les mêmes couleurs. Un peu le même principe que l'autre. Ici, on a des tranches, elles sont belles aussi. Voilà, mais les cartes ne sont pas de la même taille, elles sont plus petites. On va aussi regarder d'abord, regardez comme c'est beau, ce guidebook en couleur, pareil. Hein. C'est sur du beau papier épais aussi. Une dédicace de nouveau. Le sommaire avec de nouveau comment travailler avec l'oracle, se reconnecter à son côté sauvage du coup, honorer les familiers. Et puis on a toutes les cartes ici. Avec le nom de l'animal et un petit titre. Voilà. Les animaux, du coup, sont classés par ordre alphabétique. Ouais. Voilà. Donc, ici, on a un petit mot. Qu'est-ce la définition de familier? Ici, tous des conseils, hein, pareil que l'autre, pour tirer avec son oracle. Ici, se reconnecter au côté sauvage. Une méditation à faire, se connecter, etc. Se connecter par le son, par l'écriture, pratique du yoga, etc. Il y a plein de conseils, voilà. Et ensuite, on a une guidance. Voilà, ici, on retrouve le nom de l'animal avec la petite phrase. On a à chaque fois l'illustration, comme ici ou là. Et alors, on a le message, voilà. Et on a ça, du coup, pour toutes les cartes. Et à la fin, on a des tirages pour celui-ci. Voilà, on en a quelques-uns. Le compagnon, le familier compagnon, enfin le compagnon quoi, qui vous accompagne, etc. Et puis à la fin, on a aussi le message de l'artiste, etc. J'adore le dos. Alors, on va regarder ça ensemble du coup. Le dos, il est comme ça. Tranche, je sais pas, cuivrée, je dirais. Ou rose gold, bonne question. On a pareil aussi une carte de présentation, même qualité, bien qu'elles ont l'air un peu plus fines. Ouais, peut-être un petit peu plus fines, c'est marrant, que l'autre. Voilà. Et pour la taille, elles sont plus petites. Voilà. Un peu plus large et un peu plus petite. Du coup, on va... elles sont pas... Ouais, comme celles-ci sont classées par ordre alphabétique, je ne vais pas savoir vous les comparer avec le tarot. Je sais juste vous en montrer quelques-unes. Voilà, par exemple, le doc, ça, je vais le trouver. Hein. Je vais vous en montrer quelques-unes.
mais on ne sera pas toutes les comparées. Voilà. Par exemple, ici, le chien, eh bien, il est ici. Bon, je ne trouve pas que ça a été... Il y en a qui ont dit, oh oui, c'est la même chose. Non, oui, c'est les mêmes animaux, mais ils ont quand même été retravaillés. Je trouve ça joli, moi. Voilà. Donc, ben, je vais vous montrer, du coup, les cartes, vu que je pensais vous les montrer l'une à côté de l'autre, mais vu qu'elles sont par ordre alphabétique, ça ne va pas aller. Donc, on a les chauves-souris ici. Et j'aime bien ce fond de lumière, comme ça. Le bel ours qui était sur le cavalier. Hein. Le bison. L'abeille. Par exemple, l'abeille, elle était avec sa ruche. C'était pas du tout cette illustration-là, mais je les trouve très belles, moi. Le papillon. Il y en avait un sur l'épaule. Le chameau, je dirais, ou le dromadaire. Je ne sais plus. Le chat qui était avec la dame avec son vélo. La chenille qui était sur le livre. Le caméléon qui était sur la route fortune. Les corbeaux. La biche qui était dans l'air couché avec la femme. Du coup, le chien du fou. Le dauphin qui était aussi avec un cavalier. Ici, c'est un âne, je crois, un donkey. Le pigeon ou la colombe. La libellule. Le canard. L'aigle. L'éléphant est magnifique aussi. Ben, la luciole. Les poissons. Le flamant rose, le beau renard, la grenouille, la girafe. Ne me demandez pas ce que c'est, un pinson ou goldfinch, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Les gorilles avec la carte que j'aime beaucoup. Hein. Magnifique celle-là. Le fameux... sauterelle, la fameuse sauterelle, le faucon, je dirais, l'hérisson, le héron, la vache irlandaise ou Highland anglaise, écossaise, je ne sais plus, l'hippopotame, elle est belle celle-ci aussi. J'aime beaucoup le jeu de lumière, le cheval, le colibri, la baleine, la méduse, le koala, les coccinelles, ladybug, le lémurien qui cachait les yeux du 2DP, le léopard, le lion de la force, le lézard, le lama, l'apis de la reine de Pentacle, il me semble, le singe, l'une de ses bouilles, il n'a pas l'air content, l'élan, je dirais, mousse, le papillon de nuit. Oh, celle-là, c'est une des cartes qui m'a fait craquer aussi. La petite souris. Le narval. La pieuvre. Octopus. L'orang-outan. L'orque. L'oryx. Je sais pas, je crois que ça se dit comme ça en français aussi. L'autruche. Elle est belle. Hein, en train de courir. La loutre, elle est trop mignonne avec sa petite patte en main. Enfin, en main, on se comprend. L'hibou, elle est très belle aussi, celle-ci. Oh, le panda, il est beau aussi. Et le panda, il ne semble pas qu'il est dans cette position. C'était dans la dernière. Ah bah si, mais ça ne m'a pas choqué. Très jolie aussi, j'aime bien. Du coup, on était à la petite perruche que je trouve si jolie, moi. Le paon, le pingouin,
petit cochon, trop beau. L'ours polaire de l'ermite. Porc épic. Bon, celle-là, je ne me rappelle même pas de l'avoir vue dans les cartes. Le lapin, le lièvre. Ça, je ne sais pas comment on traduit. Ce n'est pas une chèvre, un bouc peut-être. Le panda roux, trop mignon. Le rhinocéros. La mouette, je dirais. L'hippocampe. Le fameux requin. Qu'est-ce qu'il est beau. Le mouton. Le sphinx. Le putois. La moufette. Le serpent. Il n'a pas l'air commode. L'araignée. Là, on retrouve la toile du 5 de denier. L'étoile de mer. Ah ben voilà, le sugar glider. J'en ai eu il y a très longtemps. Deux petits sugar gliders. Le cygne. Le tigre. La tortue. Le vautour. Le loup. Magnifique, le loup. Ah, c'est un pivert woodpecker. Ça me fait penser au dessin animé Woodpecker et le zèbre. Voilà. Donc ça, c'est pour l'oracle. Du coup, celui-ci, je vais le remettre dedans. Je vais peut-être juste remettre une autre parole. Je vais le mettre sur le côté. Hop, hop, hop. Voilà. Et comme ça, je vous montrerai le petit dernier quand même. Même si je pense qu'il va intéresser quand même moins de monde. Voilà, bah, de toute façon, il était dans l'eau. Il est lourd aussi, hein. Ici sur le Shadower. Du coup, je vous montre un peu les côtés. Bon, la boîte est déjà très noire, hein. Ça fait vraiment travail de l'ombre. Mais les dessins, ça fait très enfantin. Bon, peut-être que justement, ça peut être chouette pour travailler là-dessus. Je vous le dirai. Et ici, on a 46 cartes et on a un gros bouquin de 345 pages. Plus tous les trucs additionnels qu'elle nous a envoyés. Voilà. Bon, la boîte est très belle aussi, hein. Bon, je suis quand même contente de l'avoir, vu qu'il est dans le coffret. Mais regardez-moi ce bouc, comme il est énorme. Il y a beaucoup de questions et les cartes sont ici. Zou. Fond noir, du coup. Je vais mettre ça de côté, je ne sais pas où. Et le livre, je vais vous le montrer vite fait, hein. Je ne vais pas tout vous le passer. Voilà. De nouveau une dédicace. Vos ombres et lumières sont les bienvenues ici. Voilà, ici une petite explication. Je travaille de l'ombre, du coup. Et alors ici, on a tout le sommaire. Voilà, le commencement, comment utiliser ce livre, poser ses intentions et contacter ses guides. Et alors, la pratique du shadow work. Voilà, ici avec plein d'étapes. Voilà. Et bah du coup, on a plein de... Ici, hein, une promesse à moi-même, avec des questions à répondre. Êtes-vous prêt? Vous devez mettre votre nom, la date signée. Et commençons. Hein. Voilà, bah ici, qu'est-ce que c'est déjà le shadow work, etc. C'est tout avec des questions. Voilà. Et alors, on passe ici... Voilà, croyez, enfin, contactez vos guides. Ici, partie 1, etc. Il y a plein de textes. Bon, je vous avoue que je n'ai pas encore trop regardé. Ici, je vois qu'on associe, par exemple, les cartes. Voilà, ici, les bâtons. Et on a le feu, bâton, l'esprit. Et on retrouve le panda. Il y a des questions à poser, etc. Voilà, des exercices avec des jours 13, etc. Il y a un peu de tout pour les chakras. Je ne sais même pas s'ils mettent les cartes, les messages. Ici, des 21-30, tout un programme en fait, en plusieurs jours. Voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les pages. Hein. Ici, réflexion, avec encore des questions. Voilà, et ici, on a des tirages aussi. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu. Bon, ici, je vais m'attarder un peu moins. Et alors, pour les cartes, il y en a 45. Le dos est tout noir, voilà. Les tranches sont noires métallisées. Ce serait beau. Noir-gris, mauve,
Pas trop, c'est pas tout à fait noir. On a aussi la carte de présentation. Je vais vous montrer quand même la taille. Je fais taille tarot aussi. Ouais, voilà. Et même. Ah, mais j'avais même pas vu qu'elles étaient doubles. Voilà. Ah, ben ça alors. Et elles sont aussi infinies mat, du coup. Voilà. Et ici, on a des choses dessus, hein. Soit meilleur et derrière. Voilà. Une grille, c'est être fâché, je crois. Ah ben non, il n'y en avait qu'une qui avait un double. Ça me semblait bien que je n'avais pas capté. Être anxieux. Ça fait, ouais, ça fait vraiment penser à ce qu'on pourrait faire si on est anxieux. Bon là, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Être confus. Plusieurs ratures. Des flûtes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça non plus. Bon, ceux que je ne connais pas, je ne vous dis rien. Voilà, ici on a juste un tout petit mot. Voilà. C'est original, hein, mais bon, celui-là, je pense pas que je l'aurais pris. Failure, je crois que c'est raté ou quelque chose comme ça. Guilty. Heavy. Hopeless. Irrité, bon, ça, je comprends quand même. Être jaloux. Lonely avec juste un point. Bon, celui-là, j'avoue que, bon, peut-être pour travailler dessus. Mais bon, les illustrations, j'aime moins. Mais enfin, bon, c'est pour faire du shadow work. Celui-là, franchement, honnêtement, je ne l'aurais pas pris. Mais comme il est vendu avec, être résistant. Voilà. Bon, je vous les montre, hein. Là, elle fait un peu peur. Hein. Sauver. Là aussi, il n'y a qu'un petit mot en dessous. Voilà, distrait. Ici, on a ici le mot. C'est vraiment paniqué. C'est vraiment totalement différent des deux autres. Hein. Bon, peut-être qu'il est génial pour faire du travail de l'ombre, ça. S'il était en français, je crois que ce serait plus pratique, mais bon. Et ici, on a des cartes toutes noires, voilà. Ça, ouais, toutes noires. Je sais pas pourquoi. Voilà, comme ça, vous avez vu la totalité du coffret. Oh, ça va encore, ça aura mis... J'ai mis que 32 minutes, ça va encore. Je m'attendais à une vidéo plus longue. Voilà. Mais ce que moi, je vais en retenir, c'est que bah, le tarot est magnifique. L'oracle, j'aime beaucoup aussi. Les animaux, bon, le tarot, c'est vrai qu'il est vraiment magnifique. Je crois que c'est celui qui me plaît le plus des trois. Hein. C'est quand j'ai aperçu les images du tarot que j'ai craqué sur le jeu. Bon, l'oracle, j'aime beaucoup aussi avec les animaux. Et puis, je trouve les illustrations très bien faites. Celui-ci, je ne sais pas si je l'utiliserai à voir, à l'usage, peut-être, pourquoi pas. Mais celui-là, sincèrement, je ne l'aurais pas acheté à part. Et bon, je vous rappelle qu'on ne peut pas. Malheureusement, les acheter séparément. Bon, peut-être que par après, elle fera peut-être un changement avec ça. Hein. Peut-être qu'elle elle les mettra bah, disponibles un par un, peut-être, qui sait. Et peut-être normalement, le roi de coupe devrait en avoir quelques-uns également. Sinon, bah, c'est sur son site en Amérique. Voilà. Je vous mettrai quand même son lien des fois que bah, vous voulez aller jeter un œil. Je crois qu'elle a un site ou c'est une boutique Etsy, je ne sais plus, mais je vous mettrai ce que j'ai. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet énorme coffret. Si vous l'aviez vu passer ou pas du tout. Si vous le trouvez beau, chouette. Bah, si vous préférez le tarot ou l'oracle. Ou si vous trouvez dommage aussi qu'on ne peut pas les acheter séparément. Voilà. Ou si vous l'avez acheté aussi, pourquoi pas. Dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!